Bonjour à tous. Après le conseil municipal du 3 avril dernier, il me semblait important de revenir vers vous afin de nous donner quelques éléments d'explication, notamment sur la fiscalité. Vous avez pu lire dans la presse notamment que l'agglomération va instaurer une taxe foncière à un taux de 2,98%. Fidèle à nos engagements, nous avons décidé pour la ville de Fécamp de baisser dans la même proportion la taxe foncière pour les habitants de Fécamp, c'est-à-dire moins 2,98%. C'est une neutralisation de la fiscalité et nous restons fidèles à nos engagements, c'est-à-dire de ne pas augmenter les impôts pour les Fécampois. En septembre prochain, les propriétaires de biens immobiliers situés sur l'agglomération de Fécamp vont recevoir leur avis relatif à la taxe sur les propriétés foncières bâties. Ils vont constater dans la colonne intercommunalité l'application d'un taux de 2,98% non appelé jusqu'ici. Cette évolution fiscale résulte des besoins de financement de l'agglomération liés à l'évolution et au renforcement de ses compétences, des projets qu'elle doit conduire pour assurer le développement du territoire, des infrastructures et équipements qu'elle doit réaliser ou rénover comme les ouvrages de lutte contre les inondations, le centre aquatique ou encore le centre de santé. Elle doit également assurer le bon fonctionnement et la continuité des services publics. Afin de neutraliser ce taux qui passe donc de 0% à 2,98%, la ville de Fécamp baisse le taux communal de la même hauteur, soit de 2,98 points. Les propriétaires fécampois vont donc constater sur leur feuille d'impôt, dans la colonne commune, une baisse du taux entre 2022 et 2023. De 70,19% en 2022, il passe en 2023 à 67,21%, soit moins de 2,98 points. Il me semble aussi important de revenir vers vous ces prochaines semaines avec mes collègues pour expliquer comment sont utilisés les impôts, vos impôts, au quotidien, dans l'ensemble des services publics qui sont offerts aux Fécampois, mais aussi les grands investissements que nous projetons ces prochaines années afin de transformer durablement notre ville.